Yo les gars, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Du coup, pour cette vidéo, on va démonter notre tracteur Fen. Du coup, voilà, donc pour cette vidéo, on va prendre un petit tournevis, bien évidemment. Donc là, j'ai enlevé la masse, parce que j'ai déjà fait. Hop, donc là, on va démonter. Ah putain, j'ai Putain, j'arrive même pas. Donc là, après, en fait, j'ai essayé de faire une vidéo, les gars. Voilà, ça, non, ça doit être l'épisode 2. En fait, c'est le 1. Donc, désolé. Donc, logiquement, bah, ça va être le 1 et... Que, en fait, les gars, j'ai essayé de faire sur le massé, enfin voilà, sur un autre tracteur, du coup, vous allez voir après. Mais j'ai essayé de faire du coup sur un autre tracteur et. Désolé pour ma voix. Et merde, et. Bah, j'ai pas vu parce que tout simplement. Bah, y avait plus de son. Et... Donc là, les gars, du coup, là, donc là, les gars, on va vraiment tout démonter. Donc là, vous voyez, je suis en train d'enlever la vis parce que tout simplement. Donc voilà, normalement, on peut plus en fait. Et là, les gars, du coup, là, les gars, normalement, on peut plus, mais je pense si on peut. Et là, en fait, on va essayer d'enlever celui-là. Donc le petit bout, là, là, celui-là, je sais pas si là, vous la voyez bien. Voilà la petite vis. Mais pour ça, je vais devoir changer de tournevis. Donc, je fais une petite ellipse bah, quand j'ai changé de tournevis. Bon, c'est bon, les gars, j'ai changé de tournevis. Du coup, voilà. Attends, on va arranger le. Hop, on va fermer. Parce que, franchement, c'est bon d'être sur mon petit atelier. Oh, putain, c'est hyper dur à la mettre comme ça. Voilà. J'espère que le style de cette vidéo bah, ça va vous plaire. Donc, là, après, je vais. Malheureusement, ça marche toujours pas. Du coup, les gars, bah, en fait, on va directement le remonter. Parce que, bah, tout simplement pour que. Pour ça aille plus vite. Je sais pas même que ce soit. Parce que là, on est déjà 2 minutes. Bah, pour moi, les gars, on va s'arrêter là. C'était Marzin. Allez, ciao.